Oui. La grosse beigne à 38, tu sais. Alors, comment on va procéder? On va procéder par le meilleur moyen de réussir ça, c'est-à-dire par le chemin du haut. Voilà. En faisant comme ça. Non mais là ça suffit. Non mais là ça suffit. Voilà. On tape pendant le tas, on va réussir à faire quelque chose au bout d'un moment. Attraper ça, prendre le loot et se barrer. Aïe mon dos. Vite Brigitte, cours. Aïe. Bon. Ça aurait pu hyper bien se passer hein. Mais non. Et au moins on a rapproché nos âmes. Ce qui veut dire que maintenant on peut y aller plus calmement. 20 000. Je ne suis pas autorisé à vous en empêcher, mais il est déconseillé de quitter la base d'opération. Tu sais quoi? Tu feras comme si tu m'avais pas vu sortir, d'accord? Voilà. Tcha 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 tcha. Tu. Allez. Yves. Voilà. Oh non, mais l'autre il m'a vu à 15 bornes. Non, non, par contre, sans déconner, si je perds parce que le jeu il a décidé de me la mettre dans le cul, ça va pas le faire. Ah, mes âmes elles sont là. Vous m'aurez pas vivant! Est-ce que tu viens de t'aventurer plus loin dans le niveau en essayant d'aller récupérer tes âmes? Oui. Est-ce que tu sens que ça pue? Oui. Autopsie du matricule D70739. Clive Henderson, sexe masculin, 28 ans. Le dos, la nuque et le crâne ont été ouverts. Le télencéphale ainsi que les régions cervicales et thoraciques de la colonne vertébrale sont à découvert. Tous les implants neuraux ont été retirés. Il s'agit de la 7e victime découverte avec une pathologie similaire, mais le mode opératoire semble évoluer. Les implants neuraux des premières victimes ont été retirés avec une certaine précision, mais dans les cas les plus récents, maintenant, les lésions tissulaires autour de la colonne vertébrale et du cerveau indiquent qu'on a peut-être tenté de retirer l'implant. Voilà, ça a coupé le message. Donc oui, il nous disait donc que la façon dont on retirait l'implant était faite de plus en plus violemment par ceux qui essaient de les retirer aux gens. Allez, bon ça de l'envoyer dans le vide, hein? Ça te fait mal. Bon là je vais pas avoir les autorisations pour passer, donc ça sert à rien. Y a rien. Ouh, y a des choses en bas, y a des choses plus bas. Ça a l'air de passer par là. Alors attends, pas grand. Drac, reste concentré. Tu as tout ton stuff sur toi. Voilà. Chut. Eh bien, anti-drac. Voilà. Bon, on arrive dans les laboratoires. Tenter de me choper dans le laboratoire.
Voilà. Il nous fera de l'énergie pour nous désinguer lui. S'il vous plaît, monsieur, revenez ici pour votre mort. Veuillez mourir. Voilà, c'est parfait. J'imagine, tu vois le robot arriver derrière dans l'écran, c'est tellement haut classe. Voilà. On récupère ça. On récupère ça. Amplificateur d'agressivité. Ouh, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on a? Du loot. Condensateur d'exosquelette. Il faudra vraiment que je lise tout ce que j'ai récupéré à un moment ou à un autre pour qu'on puisse éviter de crever comme des boulets. Là-bas, il y a le robot qui est posé tranquille. Oh, mais au secours! Je comprends plus rien, je suis où? On va tenter ça. Voilà, ça, ça passe. Alors. Ça, ça passe. Ça, ça passe. Oh, Robin, c'est quoi ce mal parlé? Ah, on est revenu ici. D'accord. Bon. Non, foutez-moi la paix, vous mourrez pas. Tu sens que je suis fatigué. Ah ouais, non mais... Mais c'est rare que t'aies du répondant comme ça, c'est marrant. Moi je trouve ça drôle. Bon, est-ce qu'on ferait pas les choses intelligemment? C'est-à-dire... Oula, déjà éviter lui. Mais... Vu qu'on est revenu à l'endroit où il y a le raccourci. Prendre le raccourci, descendre. Ah bah oui. Ah bah forcément. Et après l'excuse c'est je peux pas regarder les lives et je peux pas regarder les épisodes parce que je bosse, hein. Et à côté de ça, ça va faire la fête, hein. Je foutrais pas un peu de ma gueule. Ah là là. Ah là 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 là. J'ai regretté ma soirée d'hier, mais faut pas regretter. Quand on est jeune, faut faire la fête. Avec modération. Une fois de temps en temps, c'est sans modération, ça peut arriver. Attention, voilà. Alors. MK3, j'en ai que 3, donc faut bien choisir. On pourrait pas améliorer ça. Alors. Ouais, mais là, oh oui, d'accord, je comprends mieux. C'est la consommation du noyau qui est énorme dans, dans cette armure-là. Laquelle, celle-là? C'est la Scarab? Ouais, mais hein, quoique. Bon, tant pis, on tente. Attends, quoique, est-ce que je peux tout de suite en créer? Ah. Voilà, autant faire ça. On va tenter la Scarab. J'ai pas assez de jambes pour la Scarab. Surtout que c'est la Rhino et pas la Scarab, donc c'est pas. Scarab. Je peux me faire les deux bras. On va se faire le torse avec. Je peux faire le torse mais que en version 1.
Alors, voyons voir. J'ai encore du poison dans la zone, mais je ferai gaffe. Voilà, donc je vais voir. Et la consommation d'énergie du drone, où elle reprend cher d'un coup. J'ai quand même une meilleure stabilité. Perso qui prend cher dans les dents. On va voir. Les bras. 15% à l'impact. La vitesse d'attaque est réduite. On va tester. Ah merde, j'ai pas assez d'énergie. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va aller là. On va l'emmener à 30. Voilà. Mes implants. C'est quoi? Augmente la maîtrise des armes et des gains, une main, bâton, machin. Ouais, ça c'est bien, c'est pratique, mais je pense que je vais plus trop en avoir besoin. Donc, il faudrait que je change ça pour autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait pratique? Une injection de santé pendant 30 secondes. Quand la santé est basse. Les attaques réussies génèrent de la santé au lieu de l'énergie. Ah. Il réduit l'endurance utilisée pour parer les attaques. C'est bon ça. C'est quoi, c'est un injectable? Et quoi en passif? Un peu en pas là. Ah, c'est celui-là. Alors attends. Il est là. On va mettre celui-là. C'est bien. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour les machins. Ok. Bon. J'aimerais changer ça contre autre chose, mais je sais pas quoi. Donc pour le moment, on va le laisser quand même. Exosquelette. Ça change rien parce que de toute façon, j'en ai pas de meilleur. Mais bon. Maintenant, avec ce que j'ai là, je vais pouvoir aussi mettre mes autres bras. La résistance a quand même... Oui, elle est bien augmentée, là. Bon. On fera... Alors, on va pas la mettre tout de suite, je suis con. On va d'abord remettre mes bras. Parce que le raccourci nous fait sortir dans le poison. On va prendre ça, aller dans le poison, et atteindre la zone qu'on était en train de faire. Voilà, voilà. Bon. Allez, on se fait tous les ennemis petit à petit. Déjà, il fallait pas parer, il fallait esquiver quand c'est les attaques chargées, crétin. Si on en prend dans les dents, c'est pas grave. Au moins, on a vu que ça passait bien dans la zone d'après. Aïe. Non mais ça va aller le jeu. Voilà. Je suis mais tellement pas serein. Ouh, ce serait bien que son arme elle me donne du MK3. Oui, surtout mets-moi des baffes, comme ça on dira rien. Voilà, bon. Alors à la prochaine mort ou à la prochaine protection. Alors alliage tungstène MK2. Dommage. C'était trop bon. Il peut y avoir des choses, mais quelque chose me dit que ça pue. Donc on verra quand on reviendra dans le coin. Vu que le but c'est d'ouvrir la porte, on va forcément revenir. Ah. À quand la suite tu penses? J'en ai pas encore trop d'idées sur ça. J'ai, on va dire, à la fois un peu plus et un peu moins l'occasion de live puisque j'ai nouveaux horaires. Donc j'essaie de m'habituer à ça. Mais suis les réseaux sociaux et suis les annonces quand je les mets. Je continuerai de les mettre, ça, il n'y a pas de souci. Donc... T'inquiète pas Robin pour ça, t'auras toujours les news pour quand les lives arriveront.
Merci de m'avoir suivi, Robin. À la prochaine. Bon, alors là, il n'y a pas besoin de passer par ici, donc on va prendre en bas. Voilà, ça c'est fait. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On y va petit à petit. Et pas n'importe quoi. Tout devrait bien se passer jusqu'au bout. Test de toxicité réseau. Salut mon gros. Voilà. Oh, surcharge. J'aime pas les voir électrocutés comme ça parce que je m'attends à ce qu'ils me relèvent, à ce qu'ils se relèvent et qu'ils me les mettent dans les dents donc. Bon, je pense que ça. Est-ce que j'ai l'autorisation ou pas encore? J'ai pas l'autorisation mon ami. Autorisation okay, non confirmée. Allez. La serre. J'aimerais bien finir ce niveau-là et puis ça serait bien pour s'arrêter, je pense. Allez, on va faire en sorte que ça se réussisse. Aujourd'hui, on trouve. Matériaux rares recyclables. C'est du bon ça. Bon. C'est parti pour la serre. Voilà. Putain, oh l'attaque sauvage. À vif, ça coupe court à la question. J'aimerais bien recharger mes soins avec une machine ou une réussite d'attaque. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a là-bas. Ouais, il y a un gars. Merde. Ah, injection vitale 3. Est-ce que c'est ce que je pense? Oh, est-ce que c'est ce que je pense? Alors, je vais rajouter la mort que je viens de voir. Hein? Laisse pas rajouter les morts. Mec, voilà. Est-ce que ça valait le coup de mourir? Est-ce que ça valait le coup de mourir? Oh! Ça valait le coup de mourir. J'en ai combien maintenant? J'en ai combien? J'en ai 3, mais elles sont plus puissantes normalement. Mais, ce qu'on peut faire... Et changer ça contre ça. Santé restaurée 90, santé 180. Ah merde, on est que 3. Ah, il faut que ce soit le même niveau de MK pour soigner autant.
Chut. Oui, on peut les cumuler, mais à condition du coup que ce soit le même niveau. Dommage, je croyais que c'était bon cette fois. Dommage, dommage, dommage. Octroie un bonus de dégâts physiques aux armes. On peut se mettre ça, hein. Ça pourrait peut-être être utile. Voilà, c'est, il faut bien que je pense à... Ah, quoique, est-ce que... Oh, non. Ouais. C'est un injectable répétable, donc ça c'est bon, c'est pas trop... Mais il est déconseillé de quitter la base d'opération. Et là, je me dis qu'en fait, j'aurais peut-être dû mettre mes autres soins et qu'en fait, il fallait que je fasse la même sélection juste pour changer de vita boost. Je suis un débile. Bravo, Drax, c'est bien, très professionnel tout ça. Hein ? Coucou Milo, comment ça va ? C'est la première fois que je te vois sur un de mes lives The Surge. T'as renoncé à l'idée de le faire ou c'est... Eh, t'es arrivé en pleine mort, voilà pourquoi t'es si content. Les équipes d'intervention ont été déployées. Bon bah si ça va bien, c'est l'essentiel. Personne ne me voit. Maroufle les ennemis. T'as rien de se faire chier pendant 107 ans dans les zones à la con. Oh. Ah, c'est toujours Monster Hunter qui est affiché. Merde. Bon. Zut. Alors, attends. Un instant, merci de m'avoir prévenu Milo. Tac tac tac, que je fasse le petit changement. Chut. Pourquoi ça l'a pas modifié? Surge, premier du nom. Tac. Voilà. Merci de m'avoir prévenu Milo. C'est un peu déconcertant. Man. C'est méchant. Je suis pas un professionnel, ok? Je suis pas Riveless. J'ai pas une armée de modos pour faire mon travail. Je pense que c'est lui qui programme tout de toute façon. Allez. Bon, allez. Donc Milo, vu que tu arrives à ce moment-là, nous sommes dans la serre. Voilà. Toujours en train de se faire bourrer le fion, mais au moins dans la serre. Mais ça, dans les plantes. Plus écologique comme ça. Ah. Ah. C'est à peu près ça, j'ai presque envie de dire. Parce que malheureusement pour toi, c'est pas les plantes qui me font mal. Les gars, pièce détachée récupérée, c'est parfait ça. Hey mon gros, dis-moi que ça passe, dis-moi qu'on a l'autorisation. T'as pas l'autorisation, il faut le bot tech. Voilà.
On va pas réveiller ce machin parce que je suis persuadé que je vais m'en prendre plein les dedans. Non proposé pour le stream actuellement impossible. On va éviter les problèmes Milo. Ce serait bien que tu fasses pas détruire ma chaîne en moins de 3 secondes. Merci la caisse. Je me fais. Parce qu'avec un nom pareil, ça serait... Je sais pas pourquoi, je sens venir les choses qui ont mal tourné. Par contre, j'ai de nouveau les sons du jeu qui ont bugué, ça m'énerve. On a de nouveau pas, on a de nouveau pas d'ambiance. Voilà. Guigu, casu. Qui c'est que tu traites de casu là? Non mais dis donc. Cherchez en brouille, Milo. Je sais qu'il existe une solution. Elle est là, sous mon nez. Je peux la sentir. Mais où? Je n'ai pas remarqué les effets de Resolve sur le long terme. C'est ma faute. Gutenberg et sa clique ont fait pression pour démarrer le processus. Mais on avait besoin l'oreille. De plus de temps pour les tests. Il est trop tard pour les regrets. Confinement désactivé. Réinitialisation des systèmes. Attention, les restrictions d'accès à ce secteur ont été levées. Veuillez retourner à vos postes de travail désignés. C'est bon, c'est terminé. On peut y aller. Parfait. Bon. Ouh. Y a des gars maintenant. Ah oui, c'est un lanceur. Explique. Tu vas tout péter. Non. Je ne pète pas. Je répare tout. Wow. C'était très classe. J'ai pris feu, c'est pas grave, mais c'était très classe. Ouh. Tungsten 2. Ok, ça m'a rien rapporté. Alors, par contre. Oh non. Oui, oui, dis-moi qu'il est toujours actif. Il est toujours actif. Bon. Aïe, 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 mon dos, merci, s'il vous plaît, pardon. Les avocats spécialistes. C'est vrai. Mais nos problèmes. Il fallait prendre nos responsabilités. Allez, zen, zen, zen. Oh, j'ai un soin. Parfait. J'ai un soin. Donc ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Se tantine, se tantôt, ça se tente. Yes. Passe. Ça passe. C'est pas grave, on se heal, on récupère nos soins, parfait. Ouh, et ça se goupille presque bien, presque trop bien. Les mecs ça pue, sans déconner les mecs là ça pue. C'est une vocation, et je vous remercie. Allez. Allez, doudou, 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 doudou. Oh.
s'appelle trancher le sujet. On y tranchait la question, crétin. C'est pas grave, ça revient au même. Ah, toi, t'arrêtes de me faire. Et maintenant, avec ta machine. Bon. On essaye d'y croire. Essaye d'y croire. Allez. Allez, allez, ouvre ton moteur, ma grosse. Je viens de faire ton entretien. Quel joint de culasse, ça, monsieur. Putain, l'autre qui a attaqué, fait chier. Merde, on y était presque. Le joint de culasse, je l'ai mangé, mais dans les dents, là. N'oubliez pas, la sécurité des locaux est notre plus grande priorité. Elle ah, la vôtre. Ah. Bon. C'est quand même vachement calme quand on grimpe. Est-ce que je peux avoir une musique d'ascenseur, un de ces quatre? Musique d'ascenseur. Je suis une musique d'ascenseur. Faudrait que je la télécharge en fait cette musique pour les temps de chargement à la con. Eh oui, surtout mets-moi bien dans les dents. Comme si de rien n'était. De l'outil, toujours là-bas. Bon vivant, toujours debout. Allez. Fais gaffe à la grosse machine. Oh, allez. Oh, butterfly corrompu. C'est là. Mais non, mais l'autre il me spamme son attaque de tourbilol. Bon. On va faire une dernière tentative. Déjà, on va surtout voir ce que je viens de récupérer. Les butterflies corrompus, ils ont appelé ça. Pourquoi? Tatsumaki Senpu tourbilol, mais tellement. Ouh. Y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ces trucs, un de ces quatre. Moi, mon arme, c'est laquelle déjà? C'est celle-là. Attends, maintenant qu'il n'y a plus les gros robots. Maintenant qu'il n'y a plus les gros robots de merde. Attends, attends, on va tester avec ça. Oh oui, on va tester avec celle-là. Bonne journée, Warren. Allez, allez, allez. Oh. Voilà. Juste éviter de perdre la tête et tout se passera bien. Oui, je continuerai à placer mes jeux de mots débiles. Aussi longtemps que je le peux. Le jeu qui est parti aux fraises, il n'y a plus les sons. Et merde. Bon. Bah vous savez quoi hein. On aura malheureusement
pas forcément des masses avancées dans ces 2 ou 3 épisodes. Ça dépend comment je vais découper de ça. Mais on va s'arrêter ici. Bien, maintenant j'ai la musique. Merci le jeu, tu te fous légèrement de ma gueule, j'ai l'impression. Bon, je vais trouver un moyen aussi de réparer le jeu, parce qu'entre les absences de son qui sont flagrantes et le reste, je pense que ça commence à bien faire. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. C'était Drakkane. Salut tout le monde!